Yo, salutations à toi, famille. J'espère que tu te portes bien. Eh ben, écoutez, moi, ça va à merveille. Vous devriez savoir que Fally Ipupa a été invité lors de l'inauguration du nouveau stade au Sénégal, bien évidemment. Une invitation, j'aurais entendu parler, j'aurais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas assez confirmé que le président lui-même a choisi Fally Ipupa en tant que chanteur pour une prestation lors de l'inauguration de ces fameux stades. Et ben, il faudra souligner que ce qui fait polémique et que Fally Ipupa soit assez, on va dire, convenant avec le président rwandais Kagame. Pourquoi? Parce que, eu égard à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, eh ben, il n'aurait pas dû serrer la main à ces présidents-là, il n'aurait pas dû partager le dîner à sa table. Mais je me suis dit, mais cette analyse doit être faite, mais d'une façon excellente pour que vous compreniez, famille. Fally Ipupa reste en quelque sorte, voyez-vous, un ambassadeur. Cet ambassadeur qui vend pas simplement sa musique, pas simplement son Mantokos, mais également le pays d'où il vient, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, son drapeau, ses us, coutumes, sa politique. On voit l'image de la RDC à travers Fally Ipupa. Eh ben, hélas, ce fut une invitation, voyez-vous, du président de la République. Le fait pour lui également d'être entouré des hommes, de quelques hommes puissants, on va dire, d'Afrique, prouve largement sa grandeur. Il n'a pas prémédité cela. Il a été invité comme tout autre, on va dire, sur cette table, partageant le dîner, soit le déjeuner que je vois. Donc voilà, il y a également Youssou N'Dour qui a été de la partie, Magic System de la partie. Eh ben, pourquoi fustiger Fally Ipupa? Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, s'il n'avait pas sympathisé avec le président Kagame, il n'avait pas serré la main, ça aurait changé quoi? Et comme il l'a fait, ça changeait quoi? Il faudra élever un peu cette façon de réfléchir, cette façon de penser. Il reste apolitique. Eh ben, je l'ai dit, pourquoi? Parce qu'en connaissance de cause, dans maintes et maintes reprises, on a sollicité ses services, bien évidemment, pour une propagande quelconque, mais il trouve toujours des échappatoires pour ne pas être, on va dire, assigné à un politique ou à un parti politique X ou Y. C'est un gars qui reste musicien. Vois-tu, musicien. Beaucoup reprochent à Fally Ipupa de ne pas être assez engagé, j'ai envie de dire, dans le combat politique, soit, j'ai envie de dire, dans la vie politique du pays, ou encore, on va dire, donner son avis sur ce qui ne va pas en République démocratique du Congo. Pour ne pas avoir de problème, tout simplement, il évite cela. Certes, c'est un peu mal vu par certains, mais c'est son choix. Il est libre, voyez-vous, il est libre, mais en quelque sorte, il reste un grand patriote, sinon il aurait changé de nationalité depuis. Voyez-vous pourquoi? Parce que détenir un gars comme Fally Ipupa dans votre pays, c'est juste, on va dire, une longueur d'avance. C'est juste pour vous un bénéfice, un moyen de beaucoup plus vendre à travers son image à lui, donc l'artiste. Voyez-vous, le fait pour lui de se mettre en marge, à l'écart de la vie politique, prouve à suffisance combien il ne veut pas s'attirer le foudre, on va dire, de X ou Y rival politicien, bien évidemment. Voyez-vous, mais le fait pour lui de s'être retrouvé au stade au Sénégal, à Dakar, en ce moment-là, c'est sous invitation, voyez-vous. Et vous avez bien vu la vidéo que j'ai balancée sur, j'ai envie de dire, sur la chaîne, dans le vestiaire. Tout le monde s'empressait pour faire un selfie avec lui et tout. Donc cela prouve largement combien il est plébiscité, combien il est sollicité. Donc voilà. Mais cela n'empêche, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est Vivant Wété. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Consommez l'album Tokos 2 Gold qui est déjà disponible, dont je viens de faire un tout petit peu, on va dire, une petite réaction. Ce sera quelque chose de bien. Soutenez-moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et ben écoutez, et portez-vous bien. Ciao, ciao. Everyone that I need in my circle, I'll never be going and switching it up. Rocking with the people who were following me when I never thought I would have.